Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce dernier épisode de ce mode carrière MotoGP, vraiment le dernier épisode. En tout cas, c'est le dernier épisode de cette saison MotoGP carrière. On est sur le Grand Prix de Valence, on doit récupérer cette quatrième place au championnat du monde devant Fabio Quartararo, on doit passer devant notre compatriote. Et puis l'année prochaine, on se dirigera tranquillement vers Suzuki X-Star. Notre nouvelle écurie avant possiblement d'engager des négociations avec Yamaha, peut-être Yamaha Movistar ou Ducati officiel. Yamaha Movistar, Ducati officiel ou encore Honda Repsol. J'avoue avoir un penchant pour Yamaha, mais à voir, hein. De toute façon, on va déjà voir comment se passe cette saison chez Suzuki. Hein, si on arrive à être champion du monde de la première année, on va signer que pour deux ans. Mais on fera très certainement une rupture de contrat si on est champion du monde directement. Hein. Bien entendu. Donc allez, on est parti du coup sur ce Grand Prix de Valence. Alors que ce week-end, je tourne l'épisode là dans la foulée quasiment, mais ce week-end, il va y avoir la MotoGP à Jerez. Je vois bien encore une fois peut-être la victoire de Fabio, pardon, le lapsus. Et je vois bien aussi les KTM, je vois bien les KTM devant un petit peu. Encore une fois avec Brad Binder. Et puis pourquoi pas un peu la relève de Rossi, hein. Pourquoi pas la relève de Rossi là, enfin la relève, que Rossi se relève du moins. On va plutôt dire ça comme ça. Je vois bien ça comme scénario, très honnêtement. Voilà, on a Rins et Crutchlow et Marquez convalescent. On sait que Marquez ne roulera qu'à partir du samedi. Enfin, il essaiera de rouler le samedi. Quant à Crutchlow et Rins, ils vont rouler dès le vendredi. Mais à voir comment ça va se passer pour eux. À l'après-midi avec les températures chaudes, hein. Allez, on va en finir avec ce premier tour à Valencia. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette saison MotoGP chez Suzuki X-Star. Enfin, pardon, chez Suzuki Hertz. J'ai confondu là. C'est pas encore un Suzuki X-Star, c'est l'année prochaine. Hein. Demain, vous aurez les essais, normalement. Demain, vous aurez les essais avec cette nouvelle moto. Et puis la course de... Comment ? La course en 100% arrivera sûrement lundi du coup. Parce que le samedi, vous aurez les essais de Sepang. Et la course en 100%, on fait une course 100%. Ah, en plus, c'est vrai qu'on a aussi le Junior Team. Il faudra qu'on regarde à ça. Ça va être un long épisode hein, lundi. Ça va être un long épisode, donc préparez-vous à ça. Long épisode pour lundi. Alors, ce qui va être dur, c'est avec cette Suzuki X-Star, elle ne sera pas développée comme l'aime à Suzuki à l'heure actuelle là. Celle-ci, elle sera moins développée, la X-Star, malheureusement. C'est un peu dommage. Hein. On reprend une année de suite le développement d'une moto à zéro. C'est dommage. De celle-ci, on aurait pu l'emmener au sommet, mais on va pas faire deux années de suite dans le même team. Hein. Allez, on va en finir dans un instant avec ce tour qui devrait passer également. Le tour le plus rapide a été fait par une Suzuki pour le moment. Alex Rins en 1:30.522 et on vient de faire 1:31.0, je crois, quelque chose comme ça. Donc normalement, c'est validé pour la suite des événements. Il y avait la FP1, mais la FP1 était sous le temps un peu nuageux. Et puis la FP3 était sous la pluie, je crois. Donc c'est la FP2 où il y avait le meilleur temps. En termes de météo, donc je pense, ouais, voilà ça, hein, FP3 sous la pluie, la FP4 également, donc autant prendre la FP2 et on se qualifie, je crois. Non, on se qualifie pas dans le, malheureusement. Alors je sais pas quand est-ce qu'ils ont pu rouler plus vite que ça, tous ces pilotes, donc visiblement en FP1. Les conditions en FP1 étaient peut-être mieux qu'en FP2, mais voilà, visiblement ils ont réussi à rouler différemment. Voilà, ils ont réussi à rouler différemment.
Non, on va se diriger vers cette séance de qualification. Allez, c'est parti. En tout cas, je suis très content. J'ai retrouvé le plaisir de... Même si les vues sont un peu moins bonnes sur la chaîne YouTube secondaire, et c'est pas grave, hein. C'est pas du tout un problème, mais j'ai retrouvé moi tout le plaisir de faire des vidéos MotoGP. J'avoue que j'avais un petit peu perdu ce plaisir il fut un temps où le jeu me saoulait un peu dans le sens où il y avait beaucoup trop de bugs, etc. Et là j'ai retrouvé vraiment tout le plaisir d'y rejouer depuis quelques temps, notamment grâce à vous. Et aussi depuis que j'ai fait un peu de F1 sur la chaîne, je dois bien avouer que je me suis rendu compte que mon jeu de cœur, ma prédilection, c'était les jeux de moto. Et je suis bien plus à l'aise avec ces jeux-là qu'en jeu de F1, les jeux de F1 vidéo, même Twitch, c'est un peu particulier. Donc voilà. Allez, on y va pour cette qualif. Et puis vivement aussi la sortie de Ride 4, hein. Vivement la sortie de Ride 4, c'est au mois d'octobre. J'ai tellement hâte de vous en montrer un peu plus là-dessus et tellement hâte de pouvoir sortir un max de vidéos dessus. Ça va être vraiment cool. Et tous ceux qui ont le permis, tiens, dites-moi dans les commentaires si vous avez votre permis moto et si oui, quel permis vous avez. Je passe mon plateau la semaine, dans 2 semaines exactement, pour ma part. Et dites-moi hein, dans les commentaires si vous avez le permis moto, si oui, quelle moto vous avez. Alors bien sûr, le BSR, ça ne compte pas, le permis 125 non plus, hein. Je parle du permis moto, hein, celui qui peut vous faire rouler avec des vraies motos pour le coup. Donc voilà, dites-moi un petit peu tout ça et puis on essaiera aussi de faire des vidéos sur vos motos un peu dans Ride. Allez, on finit 1:29.731, on finit avec un bon temps. Normalement, ça devrait passer pour les qualifs. Oui, pole position, une demi-seconde quasiment de mieux, donc ça régale. Mais normalement, oui, il devrait y avoir vos motos dans le jeu, possiblement, hein, je dis bien possiblement. Et donc, ça serait plutôt cool. Ah oui, c'est vrai que j'étais en Q1. Donc faut que je rattaque. Bon, on va ressortir le même pneu. Hein. On va sortir le même train de pneus. Alors que j'attaque pour la Q2 cette fois. Ça va pas être évident, bien sûr, mais... Et voilà. Mais en tout cas, ouais, pour Ride, j'ai hâte. Hein. J'ai hâte de pouvoir faire des vidéos... Alors si l'un de vous me dit ah bah tiens moi j'ai je sais pas un GSX-R1000, bah voilà, on pourra faire des petites vidéos dessus en plus du mode carrière. Pas mal de multijoueurs, ceux qui avaient kiffé les Endurance Cup, on va en refaire là. On va en refaire et des biens, même avec peut-être du cash prize aussi. C'est-à-dire des récompenses, enfin de l'argent à gagner dans les compétitions, dans les tournois et tout, donc ça va être vraiment cool. On va refaire des ouais de tout ça, des Battle Royale, etc. Ça va être sympa. Ça va être sympa, je vais essayer de vous proposer. Pour poser ça le plus souvent possible. Et puis je suis content aussi parce que peu à peu pas mal d'entre vous commencent à vraiment regarder Parc Fermé, mon émission sur le MotoGP le lundi soir à 20h sur Twitch. Et vous commencez à apprécier ça aussi, donc je suis très content. J'espère vraiment que le format vous plaît. On bosse très dur avec toute l'équipe, hein. On est une petite équipe de 10 personnes à peu près, on bosse très dur sur le format pour vous proposer quelque chose de quali et de stable. Donc voilà, très content que ça vous plaise, hein, sponsorisé par Moto Blues. Et on va peut-être en finir avec cette qualif, peut-être en première ligne. Oh, c'est limite, hein. Dovi, lui, il a la première ligne, il a la pole même, mais est-ce que nous, ça va suffire? On va voir ça dans un instant. Non, oh là 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 là, ouais, dommage, hein. Dommage, Marquez a frappé fort avec son 29-6. Et on est en troisième ligne, du coup, donc ça fait très mal. Fin de troisième, bah non, même pas. Si, milieu de troisième ligne même. Pour les températures, hein, le soft passera largement. Je vais juste mettre un demi-tour d'essence en plus. Et puis écoutez, on va pouvoir y aller pour la dernière course de notre saison chez Suzuki Hertz, mesdames et messieurs. Vous m'avez suivi durant toute cette saison, depuis même plusieurs saisons. Et c'est la dernière course de chez Suzuki Hertz, pardon, avant de passer chez Suzuki officiel.
Et bien sûr, nous n'ajouterons pas de couronne sur notre, enfin de nouvelle étoile, pardon, sur notre casque cette saison. Parce que nous n'avons pas eu le titre. Notre objectif, il est 2-3 places devant nous. Il est chez Yamaha Petronas et Fabio Quartararo qu'on doit aller chercher. Et je me tâte pour l'année prochaine, je fais un bon début de course là, et je me tâte pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, pardon, à mettre un petit mode par exemple avec des transferts, je sais pas, typiquement Fabio chez Yamaha officiel, Valentino Rossi à sa place, des trucs comme ça, ça peut être plutôt sympa. Je vais voir si le mode est déjà dispo. Sinon, je demanderai à un pote de me le faire rapidement, un ami qui est plutôt bon là-dedans, qui est très efficace. Allez, sur Vignales, on passe, on prend la quatrième place. Marquez, Dovi, Quarta et moi-même aux quatre premiers, suivi de Vignales. Et Quarta qui donne tout. Oh là, je me fais rentrer dedans par Vignales. Allez, on se met en power 2, on ressort bien dans la route Quarta et on l'attire vers nous. On l'attire vers nous parce qu'on est dans son aspi et que le jeu est buggé. Et gros freinage de Quarta. Le mien était pas terrible. On s'est un peu touché là. Ah, j'aurais voulu lui faire les freins. Ah, quoi que ça peut peut-être le faire. Allez, sur Fabio Quartararo, mesdames et messieurs. Ça passe. Un petit peu large en sortie, mais ça passe. On doit finir devant lui. Et pas qu'un peu. Hein. On doit même intercaler d'autres pilotes entre nous, tout simplement. Et la première chute. La première chute là. J'étais pas à l'aise sur cette entrée de virage. J'étais pas vraiment à l'aise. Allez, on va y arriver. Ah, et la deuxième chute! Oh là là! Oh là, mon pilote s'est vraiment envolé. Bon, ça, c'est à cause de l'airbag. Hein. Ça rebondit. Ah, la deuxième chute qui fait mal. Qui fait très mal alors qu'on est qu'au deuxième tour. Allez, faut se reconcentrer. Pas trop en faire. Venir sur une bonne note, ça serait bien. Allez, tour le plus rapide pour Marc Marquez pour le moment. On revient dans la roue d'Andrea Dovizioso. On a réussi à s'échapper un peu de Marquez, de Quarta, pardon, qui est en train de lutter avec Crutchlow. Allez, sur Dovi, il faut qu'on trouve ouverture sur l'Italien. Il n'arrive pas à suivre sur Marquez. On a l'air d'avoir le rythme pour aller chercher Marquez. On a tenté à l'extérieur, ça va pas passer. On peut peut-être croiser si on ressort bien. Eh non, non, non. Ah non, hein, Dovi était ressorti correctement. On peut peut-être attaquer ici. Alors, virage un petit peu chaud pour attaquer. Mais ça tient bon. Ça tient bon. Et c'est bon. C'est passé. Ah, il faut faire attention à ce pneu du côté gauche. Arrière là. Hop, Dovi qui attaque. Bien joué à lui. C'était musclé, mais bien joué à lui. Et on attaque à notre tour. Ça passera pas. Et la lutte avec Dovi, on est bien mieux ressorti que lui. Allez. On va aller chercher Marc Marquez désormais. Ça serait pas mal. On est un peu large sur ce premier virage. Alors qu'on vient de passer la mi-course.
Marquez devant. Le rattraper, ça va pas être évident, mais ça peut se faire. On fait une belle fin de saison là. Enfin, une belle fin de saison. En tout cas, une belle dernière course. Hein. C'est vrai qu'on a eu la course de Phillip Island qui était pas terrible. Allez, Bauer 2. On accélère fort. Et il est encore loin. Il est encore loin, Marc Marquez. Une 30.8. Une 30.4 pour nous. On vient de réaliser le meilleur tour en course. 4 dixièmes plus rapide que Marc. Mais il est loin encore. Il est loin. Il y a plus d'une seconde de moi. Alors je sais pas combien. Une seconde 4 peut-être à peu près. J'ai pas du tout vu sur le dashboard. Enfin, sur le panotage du moins. Une seconde 3, ouais, donc j'étais dans le juste. Et si on allait le rattraper, ce serait incroyable. Terminer sur une victoire, ce serait une belle note. Mais attention, parce qu'on n'a plus de rewind non plus, donc la chute n'est pas autorisée. Mais attention, on arrive un peu fort là. Ça tient bon, ça tient bon. Allez, Dovi, enfin Quarta pardon, qui vient de passer sur, sur Dovi là. Ouais, Quarta qui fait une excellente course, je crois qu'il est virtuellement sur le podium. Mais du coup, je sais pas si je suis devant lui au classement général. Il faudra que je passe Marquez pour en avoir le cœur net. Allez, on a repris 3 dixièmes sur, dans l'espagnol. Toujours un peu délicat, il y a mon entrée ici. J'ai pris 2 dixièmes de pénalité, bah, c'est mérité, c'est mérité. Malheureusement, le tour sera pas beaucoup mieux. Je crois qu'il l'est un peu, mais pas beaucoup. Alors là, par contre, je viens de prendre 3 dixièmes de pénalité sur ça. Non, merci. Hein. Autant prendre 2 dixièmes là où je les ai pris, ok. Autant sur la bande là, là où les pilotes passent en plus. Hein. Non, merci. Hein. Non, merci, Milestone. Avant-dernier tour, on n'est toujours pas au contact de l'espagnol là. Ça va être chaud pour la victoire. Ah, puis même une fois au contact, hein, rien ne nous dit qu'on le passera à temps. Et rien ne nous dit qu'on aura plus de 2 dixièmes d'avance. Donc il faut vraiment rien lâcher. Il y a une chute, c'est celle de Miguel Oliveira derrière. Oh, j'ai eu un freeze total, moi, à cause de la chute de Rabat. Et le pneu arrière commence à être pas mal usé aussi. On a beaucoup de patinage, réaccélère trop fort. On a reperdu 4 dixièmes là par rapport au tour précédent. Ici même, on était 4 dixièmes plus proche de Marc. Alors qu'on va rentrer dans le dernier tour. Et cette victoire, finalement, ce sera peut-être pas le cas. Je ressors très très mal d'ici à chaque fois. Et puis Marquez qui roule de plus en plus vite. On vient de rouler 4 dixièmes moins vite que lui. Allez, je dois me remettre en power 0 parce que j'ai plus d'essence. Malheureusement, donc pas de tour en power 2. Et pourtant, j'avais mis un demi-tour en plus. C'est dommage, ça sera une deuxième place hein, je pense. Oh, je commets plein d'erreurs là. C'est étonnant que mon essence soit partie aussi vite. Et je crois avoir entendu plusieurs fois qu'à Valencia l'essence était buggée et c'est terminé pour moi.
Ah, je suis pas tombé. Ah, il y a Quarta juste derrière. On doit finir plus de 4 dixièmes devant lui. Sens. Plus d'essence. Donc effectivement l'essence est bien buggée à Valencia. Je n'ai mis le power 2 que deux fois et c'était en pleine ligne droite, c'est tout. La panne d'essence. La panne d'essence. Des acclamations du public sur leur et je crois qu'on repère une place au championnat du coup. Non, même pas, ouais, j'ai de la chance, ouais, mais du coup on finit pas devant Quarta, c'est bien dommage ça. La panne d'essence, j'hallucine! Quel enfer, mais quel enfer ce jeu! C'est pas possible. Ça dégoûte. Ça dégoûte, mais bon, c'est comme ça, on aura fait vraiment une saison pas terrible. Hein. On aura quand même fait 3 victoires, 5 podiums, mais alors Italie, Catalogne, enfin Italie, Barcelone, Allemagne, Assen, Finlande, République Tchèque. C'était compliqué, hein. C'était vraiment compliqué, hein. Très très compliqué. On n'aura vraiment pas fait une saison fabuleuse, mais bon, bah écoutez, c'est tout. C'est tout, c'est comme ça. Je vais vous laisser là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a dégoûté cette panne d'essence. Mais bon, les bugs de Milestone, voilà, comme d'habitude, on m'avait prévenu de ça une fois et je viens de m'en souvenir. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite des événements. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end de MotoGP à tous. Prenez soin de vous et vive.